Épisode 3. Salut à tous, c'est Tiob. Alors, lors de la précédente partie. Lors de l'épisode précédent, pardon. qu'est-ce qu'on avait fait? Oui, on avait pris donc tout le Piémont Sardaigne. Tout le Piémont Sardaigne. Préparez-vous, marchez. Cependant, on avait perdu Novare qui était tombé aux mains de l'Autriche. C'est pas très très grave. On va ramener Napoléon. Ah, on va ramener Napoléon et on va attaquer cette petite unité, enfin cette petite autrichienne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Fusilleur, armée déclamée, renfort. On est bien. On va mener la bataille sur le champ parce qu'on voit niveau résolution qu'on perd. Enfin. Qu'on a à peu près kiff-kiff au niveau armée et ça j'aime pas. Donc je vous retrouve juste après. Victoire héroïque. Alors. Bon, effectivement il y a beaucoup de pertes mais elle a pas, pas été intéressante. Hein, pour la couronne et le pays. C'était de loger quelqu'un sur une colline quoi. C'était pas agréable du tout. Mais c'est pas grave, une victoire est une victoire. Hourra voilà. Hourra. On est très bien maintenant. Préparez-vous. Marchez, mes serviteurs. Et va falloir penser à reprendre Novare. Novare, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. Milice, pourquoi milice? Parce que. Je suis plus dans l'ordre. Tout simplement. Parce que ça va partir en rébellion sinon en fait. On va chercher plus loin les gars. Voilà, on peut passer ce tour. Comment ça se passe à Novares? Ça se passe très bien. Ils ont fui, on va voir s'ils vont pas là-bas. Ça se passe pas si bien en fait, ils ont fui mais pas pour de vrai. Troupes en avant. D'autres ordres. On va sûrement devoir aller les déloger. Ici, il n'y a pas comme armée. Ok, on est bien. Est-ce que j'ai la portée d'envoyer un autre canon? Non. C'est pas grave. Ça n'est pas très grave. Hop, voyons voir. Est-ce qu'on peut faire une amélioration au niveau des bâtiments que l'on a? Non. Waouh! Ah ouais! Ah, c'était comme zéro là-bas. Il y a de la thune. Hein. Après, propriété viticole. Bon bah qu'est-ce que c'est dans leur porcherie. On se l'attaque quoi, on n'a pas le choix. Donc je vous retrouve encore une fois tout à l'heure. C'est à nouveau une victoire. J'avais oublié encore une fois à quel point il me manquait beaucoup de fantassins. Hein. Nous sommes puissants et invaincus. J'ai eu 150 pertes mais au niveau des fantassins, bah, ça se passe pas très bien. Voilà, donc, on a recapturé nos vars. Là, il n'y a rien. Au pire, s'il fait le tour, c'est pas grave. Voilà. Connaissance de la pelle. Plus un pour commander quand on a CG. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a de la friche ici. Et ici, on a les propriétés viticoles. Mais ça, on va pas encore avoir assez d'argent. Donc, c'est plutôt bien. On a réussi à se débarrasser de ceux qu'il y avait sur Novare. Quoi comme on est ici. Okay. On va très certainement échanger les infanteries entre, entre ces deux armées parce que là là c'est compliqué hein. Taux de reconstitution là c'est pas facile. Hop là on est dans les Alpes suisses, très bien. Il va falloir faire de la reconstitution non. Moi je vous le dis les gars, c'est mal barre. Ils sont trois, même à trois, j'ai pas envie de tenter le diable. Hop, on va prendre toutes les petites unités là qui n'en peuvent plus hein, concrètement. Immédiatement. Voilà, ici au niveau des unités qui vont bien. Il n'y a plus beaucoup, mais il y en a encore. Prendre le canon et on va prendre ça et on va y aller. Immédiatement. Une telle KVD aussi. Oui. Hein. À gauche, allez, si on peut faire une petite construction opéra.
Ça rapporte pas beaucoup. On va économiser pour les propriétés viticoles. Ça, ça rapporte quoi? Rien du tout. Bah, on va continuer l'économie. De moins en moins. Cendrier. Oh, 12 de richesse par-ci, partout dans la région. Et là, ça donne quoi ça? Eh bah, c'est pas tant que ça. Hein. Non, bah, on va partir. Pas là-dessus, du coup. Comme je l'ai fait. Par erreur, mais je l'ai fait. On termine ce tour. Milan doit tomber. Cependant. Cependant, je ne sais pas qui est à Milan. On va voir si ça passe comme ça. Ah, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Oui. On va tenter. Une résolution automatique devrait passer normalement. Glorieuse victoire. Voilà, très très bien. Après avoir chassé les autres chiens de l'ancien duché de Milan, une administration loyale envers la France a été mise en place. dans la région. Un État italien indépendant, la République Transpadane, a été créé. Ce dernier obéit à la République française et bénéficie de sa protection. Comme vous avez rallié le peuple à votre cause, les régions de la Lombardie constitueront une base précieuse à partir de laquelle vous pourrez lancer de nouvelles offensives en territoire autrichien. Occupation pacifique, hein. On peut voir, ouais, même si on pille. Ça nous apportera tellement par tour ici que. On va pas piller, ce serait du gâchis. Ce serait purement et simplement du gâchis. Petite question, peut-on recruter à. Non. Très bien. Donc on va refaire des maisons de marchands. On va faire de l'argent où on peut. Voilà, ça on transforme le marché. Ça on est bien en pâturage. Hein. Ça je pensais que ce serait meilleur, mais t'as vu le prix. C'est pas ouf. Voilà, ça on n'a pas trop le choix. Ok. On n'est pas si mal. On va passer ce tour. Il n'y a personne à l'Audi. Ah ouais. On va aller prendre l'Audi au tour prochain sûrement. Traité commercial, il propose de l'argent, on va accepter. Capturer la ville de Mantoue. Mon général, nos forces approchent de la forteresse autrichienne de Mantoue. Sa garnison est peut-être impressionnante, mais un conseil, arrachez-la des mains des Autrichiens. Elle est bien approvisionnée en armes et en artillerie. En outre, elle représente une base précieuse à partir de laquelle vous pourrez lancer d'autres offensives contre l'Autriche. Donc ça donne une artillerie à pied de 8 pouces et un objet de 6 à pied de 8 livres, un objet de 6 pouces. On va aller prendre ça. On va aller prendre l'Audi et on prendra mon tour un peu plus tard. On les occupe pacifiquement, c'est très très bien. Ici on a une ferme. C'est pas très intéressant pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Et nos armées qui sont restées à Novar vont aller à Alexandrie. D'ailleurs, j'ai pas un général en trop, genre là-dedans. Non. Là, je vais les renvoyer là. Très très bien. On va pouvoir faire également au niveau infrastructure. On va faire des routes là qui vont permettre de rejoindre un peu plus vite tout ce bazar. Et nous donner plus d'argent, forcément. On en termine avec ce tour. En deux constructions, très très bien. Ici ça dit quoi? Non, là c'est pas intéressant. Ici on va peut-être faire un magistrat. Il serait temps. On peut rien construire d'autre. Ok. Là, vu qu'on est en relative paix avec Venise, vraiment relative paix, hein, alors là, les gars, pas beaucoup plus relatif. Je sais pas si c'est très français. Que Napoléon me pardonne. Oui,
Niveau recrutement. Ah, Turin, on peut recruter des fusilleurs de ligne. On va recruter deux. Ici, on peut recruter. Pas du tout. Ok. Avec la Raoul, non ? Autriche et états pontificaux, c'est très très bien ça. Ah, ça c'est très bien, ça veut dire que les états pontificaux ils nous aiment bien. Eh ben c'est pas tous les jours. C'est clairement pas tous les jours. C'est vrai. Ok, ici on n'avait pas de quoi faire un. Ouais, de toute façon faut développer. Je me souviens plus où est-ce que j'ai recruté. Bon, déjà lui. Faire avancer, j'ai recruté à Turin, je crois. Ça met du temps à venir. Ça risque de mettre un certain temps à venir. Donc, on va s'avancer. On va prendre le pied sur cette colline. On va voir si on voit marcher. Certaines choses concernant. D'autres ordres. En avant, marchez. Pas grand monde. Hein. Monsieur, vos ordres. Pas grand monde, mais on ne sait jamais. Voilà. On va se mettre là, un petit peu sur la hauteur, à l'abri. Monsieur, vos ordres. Encore plus sur la hauteur. Voilà. On va passer ce tour, je pense. Rien à construire. On va passer ce tour et on va voir la réaction des autres chiens en étant là. C'est très bien. C'est très très bien. Donc j'ai mené la bataille sur le champ. Vous savez quoi, on va la mener ensemble. Allez, c'est parti. Petite bataille défensive comme on aime bien. Alors, où est-ce qu'on se déploie? On a l'avantage de la largeur, mais ils n'auraient pas l'avantage de la hauteur par hasard. Non, même pas, c'est très très bien. Donc, ils attaquent. Qui dit ils attaquent dit on peut prendre une belle position défensive, hein, pas de soucis. Limite, si on avait pu se déployer là, on l'aurait fait, mais bon, faut pas déconner non plus. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se déployer tout le long de là. Et on est juste un tout petit peu en haut là, et c'est parfait, c'est juste parfait. On déploie bien dans nos unités, alors on va se faire un peu déployer mieux tout à l'heure. Garde nationale et ça là. Hop, on va mettre un peu de traviole. Ah, ah c'est moche. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. On a de la cavalerie, on va la laisser la planquer ici. Je ne sais pas si elle sera planquée, mais on va la laisser là. À l'abri des feux. Alors du feu de. Du feu grégeois j'ai envie de dire. Pas du tout des feux de. Des tirs de canon. Hop, lui il sera bien, il sera à l'abri, il sera pépère, tranquille. On va se faire embêter. Et on va mettre un dernier ici. Ah, c'est pas étendu, ça c'est moche le gars. Attendez, bon. Attendez-vous un peu quand même. Voilà. Dernier ici. Hop. Et là on va commencer la bataille et surtout on va les écarter ici. Hein. Tout le monde sur deux lignes. Feu à volonté les gars, c'est gratuit, c'est très bien sur la cavalerie. Donc on va tirer avec nos trois, enfin nos deux canons sur le général. C'est toujours mieux de tirer sur un général. On va se planquer, donc on va continuer les feux sur les. Sur les artilleries, alors c'est pas pour faire que ça soit mais c'est pour passer les unités qui sont là juste derrière. C'est bon ça. Ah, le corps s'est tiré de nous. Ça part en débandade. Ils sont tous allemands, mais c'est les autres chiens, c'est quand même mieux. Allez, je précise, et je n'ai. Je précise, épisode 3, j'aurais peut-être dû le faire avant, je n'ai aucune animosité envers les pays. Hein. Si je dis quelque chose, c'est purement dans le jeu. Bon, je pense que c'est une évidence, hein. Faut être un peu con pour penser l'inverse. Hop! Voilà, on va tirer sur le général derrière. Voilà, qui du coup court, qui essaie d'esquiver, mais qui a un peu de mal. Voilà, le général est tombé. C'est très bien. Hop, on s'est soulevé.
tire à volonté, comme ça ça tirera sur les unités qui arrivent là, ici, ici. Très bien. Lui, on va le faire courir. Ah, faut pas qu'il soit sous le nid là, je vais voilà, il est bien visé. Chargement, on se rapproche, on va passer derrière, ça devrait être un peu mieux. C'est bon, il a tiré le pauvre mec qui se relevait. Aïe, aïe, ça va. Ça passe, ça passe. Oh, le pauvre quoi. Allez, on charge les gars. Vous, cessez le feu, préparez la boîte à mitraille. Voilà, comme ça on sera bien. Là c'est en train de se taper. Dragon frère se battre, monsieur. L'artillerie, ça fait des dégâts, voilà. Hop, on les envoie sur la deuxième artillerie. Comme ça on est très très bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ok, on arrive à porter. Celui-là qui va tirer là. Oui, très très bien placé avec la. Des dégâts de... Ça fait vraiment des dégâts considérables. Hop, là sur les deux qui restent, plus de feu derrière. Là, je serais, je donnerai un petit coup de boost parce que j'ai plus de soutien d'artillerie. Oh là là, la débandade. Oh, il a pris énormément de dégâts lui. Voilà, c'est un petit coup de boost. Là, je crois qu'ils sont en train de courir. Mais... En montée, bah c'est pas facile. Avec la cavalerie, là, est-ce qu'il va y avoir besoin de le faire? Ah, vous savez quoi, je vais aller sur celui-là avec la cavalerie, là, qui c'est de le faire. Voilà, ça on sait avec celui-là. Artum, cavalerie. Est-ce que j'ai entendu? Voilà, les deux. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Et voilà, c'est gagné. C'est gagné, c'est une belle victoire, comme il a dit. Hein. On a pas eu beaucoup de pertes, 50, 49 contre 800. Ah oui. Et ça nous permet d'ouvrir la route. Hein. Direction Parme. Oui. Est-ce que du coup les renforts vont venir l'aider? Je ne saurais dire, mais on va faire la résolution automatique. J'ai eu plus de pertes en résolution automatique quand même. Ils sont faits. Voilà, on exige la résolution. Levez le siège. Ah, le pillage qui pourrait rapporter, mais monstrueux, mais on veut pas. Parce que ça va être compliqué à la tenir. Sinon. Très bien. Caserne, on va réparer ça. Là, il faudra bien se méfier. Hein. Il va falloir se méfier très très vite. D'ailleurs, on va y aller à l'Audi. En plus, on a une constitution, je crois, qui est un petit peu meilleure. Je ne saurais pas dire exactement. Vraiment. Voilà, infanterie de ligne, infanterie de ligne. On est très bien. On va les emmener à l'Audi. Écoute, tant qu'à faire mon gars. Ouais, on va infrastructure. Magistrat, voilà. Ça nous apportera un peu d'argent. C'est plutôt pas mal. Donc
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura bien avancé sur Milan, Lodi et Parme. Repris Novare aussi. Je vous remercie d'avoir suivi. On se voit à l'épisode prochain. C'était Thiob. Ciao.